Allez, bonjour à tous, ici PsyWar, votre commentateur et animateur de vidéos audio préférées. J'espère que vous allez bien, en tout cas, ça j'espère. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Obscur Clan. Et les amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé dans la nuit du 8 février 2017. Alors, avant qu'on commence la vidéo, je préviens juste que la chaîne du player est en description. Il vous a réalisé aujourd'hui une double nucléaire équivalente à la Manowar sur la map Nuketon. Ma chaîne aussi sera en description pour les plus curieux d'entre vous. Hein. Voilà, j'approche des 300 abonnés, ça me ferait plaisir qu'on les atteigne avec cette vidéo. Maintenant, je vous parle en tant que co-leader. Bon d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis officiellement, Furox a nommé deux nouveaux co-leaders de la team, moi et Shadows, enfin bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Bref, cette nuit-là, il s'est passé quelque chose de grave, mais vraiment un truc très très grave. En gros, je venais de finir le live, live de l'Obscur, il était quoi, 23h30, 20, minuit pour ceux qui étaient encore là. Voilà, on arrête le live, et là je vais voir dans ma barre d'abonnement pour voir quelle team performance il reste en live. Et je vois quoi? Je vois un live, le titre c'est « On a perdu 2000 abonnés ». Et là je me dis, c'est quoi le bordel? Je clique dessus, il y avait 200 viewers, 200 viewers quand même. Bon voilà, la team, je crois que c'était une team ou je sais pas quoi, ouais, bref, ils avaient 3500 abonnés au début. Il en restait plus que 1000 et quelques. Et sur le live, il y avait, comment, il y avait le YouTube, non, le Real Time Subscribers. Et ça, en fait, c'est quoi le Real Time Subscribers, pardon? C'est les abonnés en temps réel d'une chaîne YouTube. Et les gars, ils perdaient un abonné à la seconde. Les mecs, ils perdaient un abonné à la seconde. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si c'est un troll ou quoi, c'est pas possible de perdre un abonné à la seconde et de perdre 2000. Et là, je te dis, hein, les mecs, avant la fin de la soirée, ils ont fini avec 0 abonnés. Hein. Mais vraiment, 0, il y avait marqué 0 sur leur truc. Ils avaient 200 viewers, ils avaient 0 abonnés. C'était un bordel, pas possible. Après avoir vu ça, je me connecte sur Twitter. Parce que voilà, Twitter, c'est le site à drama. Et là, les gars, avec ma... Enfin, j'étais pas surpris, hein, je m'y attendais, mais c'était un carnage, quoi. C'était la panique générale. En fait, t'avais des mecs, t'avais des youtubeurs qui commençaient à perdre des abonnés. Donc, ils s'inquiétaient, ils commençaient à avoir peur pour eux, pour... Il y en a qui vivaient, hein. Il y en avait des youtubeurs, hein. Je parle de Dailymotion, des mecs comme ça, ils ont perdu énormément d'abonnés cette soirée-là. Et donc voilà, et il y en avait d'autres en fait qui n'en perdaient pas. Par exemple, nous, l'Obscur, on n'en a pas perdu, j'en parlerai un peu après, moi, ma chaîne perso, j'en ai pas perdu. Et finalement, ça faisait, c'était, en gros, on se disait, mais what, on se disait c'est quoi le bordel. On attendait en fait une réponse de YouTube, je crois que YouTube a publié une sorte de réponse. Ils ont dit, en gros, on bosse dessus, quoi. On bosse là-dessus. Ils ont dit, en gros, ouais, y a un problème, on bosse là-dessus. Mais ils n'ont pas expliqué quelle était la source du problème. Et en gros, voilà, certains soupçonnent un hack. Et je suis assez d'accord avec cette théorie-là, parce que un bug, un simple bug YouTube, d'une telle ampleur, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé. Quand tu gères, quand t'es une énorme boîte, tu t'appelles Google, tu peux avoir un bug comme ça, c'est pas possible. C'est forcément un hack. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, pour vous montrer à quel point ça a pris de l'ampleur, je vais vous mettre à l'écran une vidéo choquante donc des abonnés en temps réel de PewDiePie qui a perdu 3 millions d'abonnés cette nuit-là. Le mec perdait 100 abonnés à la seconde. Vous allez voir, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc, ces prénommés hackers n'ont touché que l'affichage de YouTube, ou du moins le glitch ou le bug n'a été porté que sur l'affichage de YouTube, car on s'est rendu compte que finalement on était encore abonné aux chaînes qui avaient normalement, enfin qui avaient 0 abonné, tu vois. Donc ça voulait dire que finalement ils avaient encore, les chaînes avaient encore gagné leur nombre total d'abonnés, mais que ce n'était que sur l'affichage. Maintenant écoutez-moi bien. Si votre chaîne YouTube a perdu des abonnés et n'en a pas récupéré, vous devez impérativement masquer vos abonnés et, dans la mesure du possible, ne pas faire de live. Maintenant, bah, ça a l'air de marcher en fait finalement. Et tous les youtubeurs, vous pourrez vous rendre compte que tous les youtubeurs qui ont été touchés l'ont fait. Donc maintenant, plus aucun abonné n'est visible sur beaucoup de chaînes. Et voilà, ça, je pense que ça permet de se protéger. Après, YouTube a corrigé le problème dans la nuit, hein, bien sûr. Je dis bien normalement, hein, je crois qu'ils l'ont annoncé sur Twitter. Ils ont corrigé le problème, il ne devrait plus y avoir cette anomalie. Enfin, plus de problème, je pense pas. Car en effet, quoi qu'il en soit les amis, hier soir, je pense qu'on a tous, enfin beaucoup de youtubeurs ont passé la pire soirée de leur vie. Voilà, personnellement dans l'obscur, on n'arrivait même plus à dormir quoi. On avait tellement peur de tout perdre. On regardait tu vois notre nombre d'abonnés avec la peur au ventre gros. Il y avait plusieurs des membres qui avaient été touchés. Il y en a même un qui a quitté la team parce qu'il était tellement deg qu'il voulait arrêter YouTube quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça a vraiment pris une énorme ampleur. Et honnêtement les amis, je pense que YouTube nous doit des explications. Et croyez pas qu'ils vont annoncer ouais on s'est fait hacker et tout hein. Ah bah non, s'ils doivent donner des explications ce sera ouais on a eu un petit problème dans nos fichiers machin, tout revient comme d'habitude. Enfin bref voilà, s'ils se sont fait hacker ils ne le diront pas en public, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Bref, moralité de l'histoire, plus de peur que de mal, je pense qu'on en saura plus dans la journée, enfin du moins je l'espère.
Voilà, la vidéo touche à sa fin, les amis, restez connectés sur Twitter si vous voulez en savoir plus sur ce problème. Et voilà, on vous a tout dit, voilà, on est honnête avec vous, hein, comme d'habitude, Love Your Clan est honnête avec ses abonnés. Voilà, on vous a tout dit, les amis. Là, Love Your Clan n'a pas perdu d'abonnés, les abonnés sont revenus à la normale, tout devrait être bien, hein, dans le meilleur des mondes. En tout cas, moi, c'était PsyWar, très ravi de commenter une nouvelle vidéo sur la chaîne de Love Your Clan, et puis on se dit à la prochaine, allez, ciao.